salut, c'est Julien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo courte, je l'espère. Nous sommes exactement donc le 6 août 2021 et aujourd'hui, je fête mon anniversaire, donc j'ai 41 ans. On va dire qu'il me reste l'autre moitié de ma vie à vivre, donc on va croquer dedans à pleines dents. Aujourd'hui, je suis accompagné de quelques copains de l'association Clovis Bikers et donc de mon père aussi, qui est toujours donc avec son petit Yamaha, enfin son gros Yamaha. Donc comme d'habitude, j'avais donc la caméra GoPro 4 sur mon torse et aujourd'hui, j'ai mis la caméra GoPro donc 3 au niveau de la sacoche arrière gauche de la moto du père. Donc voilà, je vous montre un petit peu la vision. Ce que ça peut donner. Alors ça risque de trembler un petit peu parce qu'elle n'est pas stabilisée et puis à l'endroit où je l'ai mis, ça peut vibrer un peu, mais ça peut faire quand même de belles images. Voilà. Donc aujourd'hui, pas trop de blabla, des belles images par ce joli soleil. Et nous allons faire une petite balade sur les routes secondaires. Oui, on va dire routes secondaires. On passe par donc Pommiers, Fontenoy. On va passer aussi par Vic-sur-Aisne et puis nous irons en direction l'Oise, direction Compiègne, mais nous tournerons sur la gauche au niveau de Trolley-Loire, si je me rappelle bien, pour aller direction le château de Pierrefonds, pour aller se faire un petit final, boire une petite bière pour fêter mon anniversaire, tout simplement. J'en profite également pour faire un coucou à tous mes copains et copines Clovis et Clovisette, hein, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais que je retrouve ce soir. On se fait un petit barbecue sympa, ça va être cool. Quelques personnes du bureau. Et donc voilà, donc un gros V à vous, et puis bien sûr, une très très grosse pensée donc à toi, Cathy, le petit flamant rose, là-haut au ciel. Et bien aujourd'hui, je t'emmène avec moi, on va rouler un petit peu. Voilà. Allez, j'ouvre un petit peu la visière, il va y avoir un petit peu de vent dans le micro, comme d'habitude. Pour vous dire que nous arrivons donc à Fontenoy, pareil, un petit village bien sympathique, très calme, avec des routes pas trop dégueulasses. Allez, j'en profite aussi pour faire un méga gros big up à mon frère motard, mon Juju KTM, qui s'est blessé il y a un mois et demi suite à une sortie un peu trop musclée. Je te fais un gros V, mon Juju, et t'inquiète pas, bientôt tu vas pouvoir remontrer sur ta petite Kimberley et te refaire plaisir. Allez, je pense à fort à toi, mec, et encore merci. Allez, j'en profite donc de sortir de ce petit village pour faire également un gros V à la communauté des Royal Enfieldistes. Hein. Je parle du groupe Facebook dédié à la Royal Enfield, donc gros V à vous. Et également un gros V à mes abonnés, on est un peu plus de 1600 abonnés sur ma chaîne aujourd'hui et ça fait plus que plaisir, donc merci beaucoup à vous, aussi bien les anciens, je vais dire Bébert, Bryce, etc., comme les nouveaux. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit coucou, une question, ce que vous voulez, ça me fera plaisir et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis pour tous les nouveaux qui viennent par hasard sur cette vidéo, eh bien, je vous invite à vous abonner et à aller jeter un petit peu un coup d'œil à ce que j'ai pu déjà proposer sur ma chaîne. Vous verrez, il y a plusieurs playlists. Il y a une playlist accessoires, une playlist vlog où je raconte un peu ma vie et puis je raconte un peu les aventures de Jacqueline. Hein. Jacqueline, c'est ma bécane. Hein. Je lui ai donné un prénom parce que j'ai toujours fait ça, j'aime bien ça, bref. Et puis vous avez également aussi donc une playlist avec dessus toutes les sorties que je peux faire avec l'association Clovis Bikers de Soissons. Donc gros big up, gros V à vous tous les motards qui vous suivez sur ma chaîne YouTube. Merci à vous, ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte d'arriver aux 1000 abonnés pour tout simplement être modernisé. Et puis ce que je ferai avec le peu d'argent que je pourrais peut-être gagner. Eh ben, j'achèterai des goodies que je vous enverrai en fin de compte. Alors c'est complètement con, mais voilà, je pourrais vous envoyer un moyeu Enfield Spirit Jacqueline ou je sais pas quoi. Enfin bref, mais voilà, l'argent que je vais gagner avec YouTube, ben, je vais essayer de vous en faire profiter, tout simplement. Voilà, voilà.
Là, on va arriver à Vic-sur-Aisne. Bon, c'est plus un village, c'est une petite ville. Hein, où il y a mon collège, hein, où j'ai passé mon brevet, tout simplement. Alors, on va logiquement passer devant. Tout simplement. Je vous montrerai. Pour ceux qui voient cette vidéo sur Facebook, tous les copains d'amis d'enfance, et je vais vous montrer le collège. Il a bien changé, vous verrez. Ça fait drôle. Alors aujourd'hui, j'ai 41 ans, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc le collège dont je vous parle, donc bon, en gros, on a 12 ans, hein, plus ou moins, 12-13 ans hein, pour le collège. Donc je te laisse calculer. Tout simplement. Je vais même faire un arrêt, tout simplement, sur un petit parking, comme ça je vais pouvoir rechecker ma carte, hein, parce que j'ai pas le GPS, hein, je me suis mis une petite carte comme à l'ancienne. Bon, après je connais plus ou moins la route, mais bon, j'ai pas envie de me tromper non plus. Voilà, on va s'arrêter un petit peu. Devant le collège. Le collège de la Feuillade. Ouais. Je vais vous filmer un petit peu les copains qui viennent aujourd'hui. Je fais un check-up vite fait sur ma carte pour voir. Je regarde vite fait ma carte. Je regarde vite fait ma carte et puis on repart. Je regarde vite fait ma carte et puis on repart. Je regarde ma carte pour pas me planter et puis après on y va. Alors. Alors. Vic-sur-Aisne, direction Bernie-Attichy. Ok, et Berneuil. Ça va, tout le monde ? C'est bon ? Donc, comme je vous le disais, donc, le collège, hein, qui est du jaune fluo maintenant. Eh ben, on continue, allez, c'est parti. 3, 4, direction Attichy. On va donc direction Attichy, puis Berneuil sur Chipubois. Et puis après on ira à gauche. On traversera la nationale. Pour aller tout droit direction Cuse-la-Motte. Et pour faire notre finale à Pierrefonds. Arrivé à Pierrefonds, on va se boire un petit coup ensemble. Et puis pour le retour, chacun fera un peu ce qu'il a envie. Hein. S'il veut rester plus longtemps, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est juste une petite balade. Comme on peut les proposer. Sur notre groupe Facebook sur les Clovis, hein. Vous êtes ensemble, vous dites voilà, je roule cet après-midi, et puis qui même me suivent. Et puis des fois, souvent, il y a des gens du bureau qui peuvent venir avec vous, qui vous permettront de faire un petit peu de sécurité, et puis de vous expliquer, vous aider, hein, pour créer une belle petite balade. Voilà, donc n'hésitez pas à faire la demande, et puis après, j'en parle au bureau, et puis on voit ce qu'on peut faire pour vous. Allez, c'est parti. Allez, petit clin d'œil à des clowns qui vont se reconnaître. Hein. Les beaux petits virages d'entraînement qui sont juste en face de vous, là-bas. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a été faire. J'en ai fait deux. Allez, jetez un œil. C'est quelques prises de virages à mon niveau, hein, comme vous le savez. Mais nous, là, aujourd'hui, on va à gauche, direction Attichy, par cette belle route, et on va pouvoir envoyer un peu. Allez, c'est parti! Ah, ça fait du bien des fois une petite accélération, un petit 110 et 120. Depuis tout à l'heure, on roule tranquillement, vous savez, voilà, on n'est pas des furieux. Il faut faire preuve de bon sens. On arrive à Bitry. Drôle de nom pour un village. Bitry. T'habites où ? À Bitry. Dodane.
au petit village aussi. Aujourd'hui on est gâté comme vous le voyez, on a plein de soleil, mais en même temps tout le monde a plein de soleil. Hein. Alors je pense qu'il faut aller tout droit. Allez tout droit. Ouais, Tichy c'est tout droit. C'est bon. Allez galop. Ah ouais, alors petite parenthèse, c'est vrai que je vous ai fait une vidéo, j'ai appelé ça un peu truc un peu putaclic, les virages en BT46. Alors je venais de les acheter, donc j'ai pas franchement forcément osé, mais franchement il n'y a pas photo, hein, les BT46 c'est super, hein, la fille elle a plus la même conduite, hein, c'est un truc de ouf, alors, je suis pas non plus un fou du guidon, hein, mais il n'y a pas photo, je vous les conseille, enfin je vous conseille de changer les pneus d'origine. Alors, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne voient pas la différence à part sur le mouillé. Mais moi je peux vous dire qu'il y a vraiment une différence entre les pneus d'origine site et là du Bridgestone. Mais je pense que chez Michelin ou chez Avon ça va être le même rendu. Hein. La moto ça n'a rien à voir. Ça fait moins peur. Le truc de base que je peux vous dire c'est la tenue de cap. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Le fait que la moto n'a pas droit quoi. Il suffit que tu aies un petit ornirage et ben elle se glisse pas dedans comme une con, t'arrives facilement à en ressortir sans que ça trempe pour autant. Et franchement voilà, donc BT46, j'en suis super content, vraiment super content. En plus ils ont un beau dessin, donc ça limite on s'en fout un peu, mais ils ont un beau dessin, je trouve que... Donc voilà, n'hésitez pas pour les BT46, moi j'en suis super content. Il n'y a pas photo. Voilà, voilà. Alors par où je vais aller par là, allez, hein, on verra bien. Ah mais il y a des panneaux, ça va être cool. Alors, Berneuil, c'est la Berneuil. Ouh, il y a une belle allée là, très jolie. Très jolie cette allée. Elle est très jolie. D'ailleurs, comme le son de Jacqueline, hein, j'espère que le son vous convient, hein, Je suis enfin arrivé à trouver un juste milieu pour avoir quelque chose de très très joli. Alors là, je vais où là Je sais pas par où. Là ou là. Allez, à droite. Heureusement qu'ils sont là, les copains. Ouais, c'est ça. Merci les copains. On va sur Berneuil et à Berneuil on ira sur la gauche. Tout simplement. Ah bah qu'est-ce qui arrive? Tiens, il y a le coach qui arrive. Salut coach, ça va? Ça va? T'es avec nous? Je me doute bien. Eh bien, on a donc un Clovis qui vient d'arriver, bah, notre coach, juste derrière. Ouais, ça a dû lui faire plaisir de nous rattraper. Ah, et puis il y a même Freddy. C'est cool. Donc, on est deux de plus, ils nous ont rattrapé sur la route. C'est cool. On va pouvoir rouler un peu plus fort aussi. Allez, on vient de s'arrêter pour faire une belle photo. Là, il y avait un chouette coin.
Je vous mets les photos. Et là, nous arrivons donc à Cuise-la-Motte. Hein. On est bientôt arrivé à destination pour cette bonne bière bien fraîche. Parce que je t'avoue que là, en dessous le cuir, dès que tu t'arrêtes, tu creves de chaud. Enfin bref, quand tu roules après, ça fait un petit côté frais. La sueur a refroidi. Dégueulasse. Ça suit derrière, ça suit les copains, c'est bon. Wow! Cinglé, le Freddy. Allez, nous voilà arrivés donc à Pierrefonds après ces quelques jolis enchaînements de virages. On va s'arrêter pour boire une petite bière, alors vider un coca. Et discuter de bécane et de moto, etc. Voilà. On arrive à la fin de cette petite vidéo donc spéciale mon anniversaire, un peu con. Je vous dis à la prochaine et puis... n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je répondrai avec grand plaisir. Voilà, voilà. Allez, salut! Je te laisse sur cette belle image. Hop, c'est la deuxième, ce sera mieux. Sur cette belle image, donc, du château de Pierrefonds que tu vois en face de toi. Tout simplement. Allez, salut! Ah, vivement que j'ai mes échappements. Ah, ce sera Noël, on va dire. Alors Pierrefonds, si tu veux, c'est un petit peu le rendez-vous des motards. Dimanche, bah, le dimanche, pas du dimanche, parce qu'on n'est pas des motards du dimanche, mais des motards le dimanche. Donc là on est samedi, mais bon, on s'est compris.